Tous les matins, ma mère et moi lisions notre horoscope. Ah, alors l'horoscope. Ah, oui, mais au fil des jours, on commençait à se rendre compte que c'était pas très fiable. Alors, Scorpion, vous allez commencer la journée par vous disputer avec un lion. Disputer avec un lion? À part toi, j'en connais pas, hein. Bah ouais, c'est n'importe quoi, cet horoscope. Tu vas pas disputer avec ta mère. Tu m'étonnes. Et puis heureusement, hein, parce que vu ton caractère... Comment ça, mon caractère? Mais attends, c'est vraiment les mentales qui dit au camembert, tu sens le pâté? T'es tout le temps bougonne le matin, toi. Bougonne? Moi? Oui, oui. Non mais attends, j'hallucine, je t'ai vu, toi. T'es tout le temps speed, là, tu me stresses. Moi? Ah, je stresse, madame. Ouais. Sorry. Non mais attends, toi t'es bougonne, moi je te stresse. D'accord, l'horoscope, jamais, 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 jamais. Pour une fois, l'horoscope disait vrai. Quand j'en avais gros sur le cœur, ma mère était toujours là pour me remonter le moral. T'en remettre, j'ai dit la même chose, ma chérie, regarde, je l'oubliais. L'oublier? Mais je veux pas l'oublier, moi. Oh, ma chérie, la vie continue, te mets pas dans des états pareils, enfin. Jamais je pourrais oublier Bartus, jamais. Ma chérie, tu vas l'oublier, Bartus, parce que pour la énième fois, c'est un personnage de roman. Alors, je l'ai lu. Oui, d'accord, c'est très triste quand Bartus tombe dans le ravin. Mais il va bien dans la vie, hein, puisqu'il n'existe pas, mon cœur, enfin. J'ai besoin d'être seule. Bon, bah, prends ton temps, hein. Oh, quand même, se mettre dans un état pareil pour un roman. Attends, je peux pas. De façon générale, ma mère adorait avoir raison. Et c'est encore d'accord. Et moi, je ne suis pas du tout détestée avoir tort. Et ben moi non plus. Toi, quand t'as une idée derrière la tête, hein, tu l'as pas ailleurs, hein. Bah, oui, mais là j'ai raison. T'es-tu avec ça? Et pourquoi je devrais toujours avoir tort? Eh ben parce que j'ai raison. Eh ben non. Eh ben si. Eh ben non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Non. Si. Non. De quoi on parlait là déjà? C'est drôle, j'étais justement en train de me poser la même question. Pas grave, tu veux la soupe? Ouais. Allez. Bonne soupe à ta maman, ça. Mmh, il voulait. Même si c'est désagréable, parfois, il est important de savoir faire la leçon à son enfant. Mais je rêve, il est où mon petit-déj? Eh oh, tu vois bien que je peux pas, j'ai du vernis plein les ongles. En plus, faut que ça sèche. Débrouille-toi un petit peu toute seule pour une fois. Ok. Et parfois, on est agréablement surpris. Barbara, viens ranger ta chambre! Par la vitesse. Je peux pas, mon vernis n'est pas sec. Débrouille-toi pour une fois. À laquelle ils retiennent la leçon. C'est vrai que c'est pas mal ce truc pour rien faire. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a summer. On peut le remettre. Allez! Oui, oh, c'est moi! Tiens, carrément. Je suis putain de la caméra, je vais voir si on a des ventes entre le jour. D'accord. Attends, j'ai lu ça. Attends, je pense pas là, non? Yes! Okay. Je me mets comme ça, Pierre. Parce que sinon, ça va pas marcher contre le jour. Ça va pas contre le jour. Perfect. Là c'est parfait, perfection. Ça fume. Ouais, oui. Ah, j'ai oublié de venir. J'avais juste regardé en train de faire des questions. Ain't nobody quite like you. Got me falling through and through. Straight to
to the top, I'm tumbling. My roller coaster.